Bonjour, soyez les bienvenus. Merci. On voit la joie. Le Dieu de Papa Florian a fait quelque chose pour vous. Oui. On va écouter votre témoignage. Oui. Tu commences? Bon, moi, pour moi, c'est concernant mon travail. C'est vrai pour l'instant. Ouais, j'avais perdu avant un travail que je faisais. On m'avait licencié pour des causes vraiment banales. Mm-hmm. Je voulais poursuivre l'entreprise au tribunal. J'ai pris, comme j'ai une assurance qui couvre tout ça, les avocats, mais le problème, un coup, je me suis découragé, j'ai laissé tomber. Après, bon, j'ai pris le deuxième travail que je suis maintenant. Je ne suis pas encore embauché indéfinitivement, donc je suis, comme on dit, intérimaire. Mm-hmm. Mais j'occupe quand même un poste un peu élevé. Bon, il se pourrait qu'on était deux sur ces postes-là. Bon, on était deux tout simplement. Il y a un qui était déjà embauché, mais moi, il y a toujours des blocages. Non seulement il y a des blocages, il y a toujours un problème qui arrive qui fait que mon embauche est toujours retardée. Ça, je ne comprends pas. Mais c'était au mois d'avril, quand on a connu Papa Florian. Juste tout de suite après, on a commandé les éléments. Et quand j'ai commencé à utiliser les éléments, ce jour-là, je pars au travail. Et voilà, il y a, parce que c'est un site industriel, il y a le courant qui est coupé. C'est sur une grande partie des sites. Moi, je n'étais pas au courant. Voilà les téléphones qui arrivent. Et Jean-Pierre, bon, c'est mon prénom. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, je dis, mais non, il n'y a rien. Mais on nous a dit qu'il y a, voilà, il y a une partie des bâtiments qu'il n'y a plus de courant. Entre-temps, quand je suis retourné au bureau, j'ai vu que le chef, donc, disons, de la DIM, la direction de maintenance, ingénierie et maintenance, qui courait. Il dit, Jean-Pierre, j'ai déjà fait le travail à ta place. Je l'ai remercié. Maintenant, il y a des appels qui arrivent, que bon, voilà, ils vont me renvoyer, tout ça. Le grand directeur de l'autre côté, il n'est pas content, tout ça. Moi, je dis, mais s'ils vont me renvoyer, ils vont me renvoyer. Mais dans mon cœur, je me dis, Dieu de Papa Florian, c'est lui qui va être devant moi. C'est lui qui va me défendre. C'est lui à partir du dernier mot. Voilà. Et moi, je dis, lui, il va me défendre. Il y avait tellement de problèmes, ils ont fait des réunions, ils ont voulu même me convoquer. Il y a le sous-directeur qui dit, Jean-Pierre, il ne vient pas. Donc si vous allez le licencier, moi aussi je vais partir avec lui. Et ainsi de suite, on m'a dit d'écrire, d'expliquer la situation, comment ça s'était passé. Mm-hmm. J'ai écrit, j'ai expliqué. Et le lendemain, je rentre au bureau, j'ouvre mon ordinateur. Le premier message que j'ai vu, l'affaire est close, donc tu peux continuer ton travail. Amen. Oui, c'est ça que j'ai rendu grâce au Dieu de Papa Florian. Amen. J'ai dit, c'est vrai, Dieu est grand. Amen. Parce que j'ai toujours ma petite bouteille de sang de Jésus. Toujours partout, on s'en va. Voilà, le matin quand j'arrive, avant d'aller même dire bonjour à mes chefs, je fais une petite prière. Ça, c'est le coup. Voilà. Jusqu'à un jour, ils m'ont dit, mais mon directeur me dit, tu es la seule personne quand tu arrives le matin, toujours avec sourire, mm-hmm. et tu dis bonjour à tous tes collègues, à tout le monde. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. Mm-hmm. Moi, il dit, c'est grâce à Dieu, je vis grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est Dieu qui t'a maintenu, voilà. N'a pas permis que le plan des hommes se réalise. Voilà, comment béni le Dieu, papa. Voilà. Ben, je sais que j'ai les menaces depuis que j'étais en France. C'est vrai, j'ai dit, j'ai été loin dans mes études, mais jamais, jamais, je peux faire des concours, je suis parmi les premiers. Quand j'arrive, les autres, on les envoie là où il fallait, mais moi toujours. Et je savais que j'avais toujours ces blocages-là, mais jusque dans la famille, il y a aussi tous ces genres de problèmes. Et aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian est en train de le faire maintenant. Voilà. Gloire à Dieu. Comment vous voulez ajouter quelque chose? Oui, donc je voulais ajouter le Dieu de Papa Florian a beaucoup fait pour nous. Parce qu'on était attaqués depuis fort longtemps. Déjà, notre mariage, les enfants qui ont fini les études, pas de travail.
Et vraiment, on était désespérés. On ne savait pas quoi faire. Bon, la semaine, on travaille, mais le week-end, la maison est toujours en feu. Et c'est un jour comme ça, bon, en regardant des vidéos, je suis tombée, disons qu'une nuit, j'ai dormi et j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que on était désespérés. Et puis, moi, je suis musulmane de religion. Bon, le sang de Jésus, je ne le connais pas. Bon, c'est quelque chose que j'ai jamais évoqué, j'ai jamais entendu parler. Et ce matin-là, c'était un lundi, j'ai pas pu aller travailler. J'ai appelé à mon travail en leur disant que j'étais malade et que je ne vais pas pouvoir venir. Et le lendemain matin, mardi, quand je me suis réveillée, j'ai évoqué le sang de Jésus. J'ai dit, le sang de Jésus couvre ma maison du plafond jusqu'au sol, couvre l'entrée de ma maison jusqu'au sol. Pourtant, c'est quelque chose que bon, j'ai... Voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai lu un peu la Bible et tout, donc, par rapport à ce qu'on a vécu. Et quand je suis arrivée au travail, il bon, y a un homme de Dieu que je suivais spécialement. Je le suivais plus. Et quand je suis arrivée au travail, quand j'ai mis YouTube, j'ai d'abord regardé cet homme de Dieu et en bas, je vois chemin du ciel. Et j'ai dit, tiens, je vais cliquer dessus pour voir. Et quand je mets le premier témoignage, on me parle des sang de Jésus. Et c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai regardé les témoignages, j'ai regardé plein de témoignages. Et aussitôt, je me suis dit, ça, c'est pas de montage. Aussitôt, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Et l'après-midi, je suis revenue là-dessus. Et vers la fin de la journée, je me sentais bien. Je me sentais vraiment en joie. Et dès que je suis arrivée à la maison, j'en ai parlé à mon mari. Et aussitôt, on n'a pas hésité. Il a regardé quelques témoignages. Et le lendemain, on a pris contact avec Papa Peggy. Et il nous a expliqué comment ça se passe et tout. Et je pense qu'une semaine après, on a envoyé l'argent. Et il nous a programmé pour la prière. C'est-à-dire l'offrande volontaire. Hein? L'offrande volontaire. Et il nous a programmé pour la prière. Et avant la prière, j'ai parti au travail, donc ils nous avaient programmé pour un dimanche. Et le vendredi, j'allais au travail et je me suis disputée avec une dame. Et bon, avant ça, j'ai dormi, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe. Et quand je me suis réveillée, j'étais en joie. Et quand j'allais au travail avec cette femme, quand on a eu cette discussion, elle m'a donné un coup de pied sur le tibia. Et quand je suis arrivée au travail, j'ai trouvé que non, c'était pas normal parce que la douleur me remontait jusqu'à la cuisse. Et quand je suis arrivée, bon, j'ai pas trop en parlé à mon mari. Mais le dimanche, quand papa a fait la prière, et quand il a béni l'huile qui est consacrée, qui est devenue le sang de Jésus, on a mis dans tout, en pommade, l'huile qu'on utilise pour la maison, tout. Et quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris l'huile dans ma main, j'ai prié et j'ai frotté la partie. Et aussitôt, j'ai senti une chaleur au niveau de cette partie-là. C'est comme s'ils avaient mis du Vicks. Et ça remontait au niveau de la cuisse et tout. Et au bout d'une heure, j'avais plus de douleur. Et ça déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Et on a notre grande fille qui a 27 ans et demi, qui avait une plaie au niveau du pied, de l'orteil, juste à côté de l'orteil. Et bon, comme c'est un enfant, bon, je pense que les mauvaises personnes sont sur elle, ouais. Vraiment. Ouais. Elle-même, après, quand elle a appelé Papa Peggy, par rapport au rêve qu'elle a fait auparavant, Papa Peggy a dit qu'on veut la donner, la sorcellerie, pour nous atteindre. Et vraiment, elle a fait des études, elle a eu son bac, BTS, sa licence, mais pas de travail. Elle se renferme de plus en plus. Elle et moi, des fois, on s'éveille et tout. Donc, quand elle a eu cette plaie-là, bon, on l'a amenée chez le médecin. Pour nous, on pensait que c'était une plaie normale. Et comme elle ne parle pas aussi, bon, et on a fait tous les traitements, la plaie a duré presque 7 ans. 7 ans. Oui. 7 ans.
sa fille, elle a fait des combats, elle a fait tout. Elle souffrait, mais elle disait rien. Comme elle ne parlait pas trop, donc disons, elle souffrait, mais la plaie là, sur les pieds, c'est, les jours où il a commencé les éléments, trois jours après, ça commence à cicatriser. Aujourd'hui, je vous dis, l'ongle même a poussé. Donc elle comme s'il n'y avait rien. Voilà. Non, mais avant même les éléments, elle en avait parlé à une de ses copines parce qu'à un moment donné, on la voyait partir à l'église. Et bon, c'est après les éléments que tout ça est sorti. Hein. Nous, on n'était pas au courant. Bon, on s'est dit, elle va à l'église, c'est bien, tout ça. Et d'après ce qu'elle a dit, quand elle en a parlé à sa copine a dit c'est un truc mystique parce qu'elle avait rêvé que c'est un chat qui l'a mordu sur ses pieds-là. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à aller à l'église. Mais quand elle est partie à l'église, ils ont dit que c'est un truc mystique. Mais bon, eux, ils n'ont pas... mystique et puis ça s'arrête. Mystique et puis elle a continué à aller, et tout. Et c'est lorsque, quand on a appelé et que papa nous a fait la prière à distance, et j'avais parlé aussi à papa Peggy qui avait mis le sifoderme. Et avant qu'on reçoive les éléments, elle a pris sa douche. Elle a mis le sang de Jésus, elle est venue me trouver avec son père dans la cuisine. C'est comme s'il y avait quelque chose dans la plaie qui respirait. C'était vraiment incroyable. Et au bout du deuxième jour, ça ne la grattait plus. Troisième jour, ça commençait déjà à se cicatriser. Ben, elle a commencé ça quand? Début mai, mais là, il n'y a plus rien. Tout est parti. Donc, après 7 ans de galère avec la blessure sur les pieds. Et moi, bon, après, quand j'ai continué à regarder les témoignages, j'ai vu les femmes qui avaient le problème des fibromes. Parce que moi, j'ai ce problème-là. Et j'ai appelé papa Peggy et tout. Et elle m'a dit il faut la révélation divine. Et j'ai commandé la révélation divine. Et j'ai fait. Bah, et voilà ce qui est sorti en moi. Comme le serpent que le papa Florian a montré là. Donc, elle, c'était ça. Donc, il en avait deux, parce qu'avant de venir, elle a passé l'échographie. Oui, j'ai passé l'échographie. On est parti le samedi, juste avant notre arrivée. Elle a fait l'échographie. Ils ont dit qu'il y en avait deux, mais il y a un qui est tombé. C'est les un là qui sont les photos là. Il y a un qui est tombé, mais j'ai encore un qui est resté dans l'utérus. Qui est dans l'utérus. Donc là, les médecins, ils disent qu'il faut absolument qu'ils m'opèrent pour enlever ça. Mais bon, je sais que le Dieu de Papa Florian, voilà ce qui est sorti. Il y a tellement de photos, il y en a beaucoup. Donc, après la révélation divine. Après la révélation divine. Il y en a plein. Mais c'est le plus beau qui est sorti. Mais quand je suis indisposée, je saigne énormément. Donc c'est. Mais bon, avec la révélation divine, voilà ce qui est sorti. C'est une grande délivrance. Amen. Et là, bon, il faut que je continue. Et je sais que ce que le Dieu de Papa Florian a commencé, il va terminer. Il va terminer. En tout cas, tous tes grands témoignages, toutes tes grâces, toutes tes puissances. Que Dieu vous bénisse encore et vous fortifie.